Élodie de la bibliothèque départementale. Je vais vous présenter mon coup de cœur de hier soir. Una Promessa, c'est un film de deux frères, Gianluca et Massimilio de Serio, italien. Ce film, c'est un film dramatique, familial. Une femme, c'est la nuit, une femme part travailler, elle laisse son mari, son enfant, et on voit que le mari, l'enfant la suivent avec les jumelles. Et elle ne reviendra pas. Je ne vous ai rien spolié parce qu'on sait ça tout de suite. Donc elle ne reviendra pas. Et en fait, le thème principal de ce film, même si on n'enferme pas un film dans un sujet, on est bien d'accord, hein, mais sur ce thème-là, le thème abordé, pardon, c'est le travail clandestin, illégal, dans les zones agricoles en Italie du Sud. Parce que cette femme va rejoindre les travailleurs clandestins comme journalier pour aller ramasser les pastèques. Donc là, effectivement, on voit aussi le traitement des fruits et les conditions de travail de ces gens qui ne sont pas payés, qui ne sont pas protégés, etc. Et alors, comme elle disparaît, et c'est là le titre du film aussi qui est absolument capital, c'est que le père promet à son fils de lui rendre sa mère, promesse aussi impossible que porteuse et puissante, parce que ça va nous entraîner sur toute la durée du film. Ils font référence beaucoup à Caravage, le peintre, parce qu'il y a des jeux de lumière entre le noir et le blanc qui donnent cette impression de réalisme et d'étouffement et de lumière, parce que il y a la relation entre le père et le fils et ça contrebalance la violence dont je vous parlais. Cette relation entre le père et le fils est pleine de tendresse, d'amour et de regard entre l'un et l'autre, et de soutien, autant du père vers le fils que le fils vers le père. Bon, voilà, je vous laisserai le regarder pour l'apprécier, mais ça vaut vraiment le coup. J'ai oublié l'essentiel, c'est que dans les DVD, il y a des bonus à ne pas manquer. Évidemment, dans celui-ci, il n'y a pas de bonus. Mais par contre, il y a un livret qui est très très intéressant, et c'est justement la présentation de ce que disent des interviews avec les auteurs.